Attention! Vous pouvez peut-être utiliser votre sabre pour faire un autre pont. Super, on y va. Jaden, à terre! Les Stormtroopers sont dans la clairière. Vous devriez peut-être vérifier. C'est vous qui avez le sabre laser, après tout. Adieu, Jedi. Je t'attends, Jedi. Quoi? Hein? Quoi? Qui êtes-vous? Cal Katarn à votre service. Vous venez de vivre la journée type du Jedi. Qu'est-ce qui s'est passé? On pensait que vous nous le diriez. J'ai vu un énorme éclair et j'ai accouru pour vous trouver à terre, sans connaissance. Vous vous souvenez de quelque chose? J'ai vu trois personnes. L'une d'elles tenait un sceptre lumineux. C'est tout ce dont je me souviens. Un sceptre? C'est mauvais. Vous pouvez vous relever? Oui, ça va. Je sens une perturbation dans la force. Pour changer. Mais cette fois-ci, moi aussi je la sens. C'est peut-être un résidu de la force obscure de ce temple. Peut-être. Kyle, vous ne voulez pas... Restez pour enquêter. J'adorerais. Et si vous rameniez ces jeunes à la maison maintenant? Attention, Kyle. Suivez-moi tous jusqu'à la navette. Mais... c'était Luke Skywalker! J'y crois pas! Vous avez les dossiers de Skywalker? Oui. Avec tous les Jedi dans la jungle, c'était presque trop facile. Excellent. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux élèves de l'Académie Jedi.
Ici, nous vous enseignerons les voies de la Force. Vous apprendrez à manier le sabre laser. Vous étudierez la diplomatie, l'histoire et bien d'autres choses. Comme la tradition Jedi le veut, chaque élève se voit attribuer un maître. Cependant, comme nous sommes peu nombreux, chaque maître a plusieurs élèves. Ral'Taran, vous serez le disciple de Maître Orr. J'ai hâte de commencer l'entraînement. Roche Pennine, vous êtes avec Maître Kyle Katarn. Jadon Kor, vous serez aussi avec Maître Katarn. Maintenant, commençons les cours. Et que la Force soit avec vous. Et puis, plus rien. Mais la zone du temple semblait différente. Comme si son aura obscure s'était envolée. Intéressant. Mais nous verrons ça plus tard. Vos élèves sont prêts à commencer. Maître Katarn, c'est un honneur d'être à votre service. Primo, appelez-moi Kyle. J'ai horreur des chichis. Secondo, vous n'êtes pas à mon service. Je vais vous enseigner certains principes. C'est tout. Je suis désolé, je ne voulais pas vous offenser. Ne vous faites pas de soucis, Roche. Vous savez, j'ai connu pire offense. Alors, voyons ce que vous valez tous les deux. Suivez-moi au terrain d'entraînement. Voici l'un des nombreux terrains d'entraînement de l'Académie. Vous aurez deux cours séparés. Jadon, passez par cette porte quand vous voulez. Roche, suivez-moi. Je vais vous apprendre le béaba de la Force et ses pouvoirs. À mesure que vous progressez, vous aurez de nouveaux pouvoirs. Vous pouvez aussi bien utiliser le côté obscur que le côté clair de la Force. Mais ce ne sont pas les pouvoirs qui sont bons ou mauvais, c'est la manière de les utiliser. Chaque Jedi est naturellement plus fort pour certains pouvoirs. C'est à vous de décider ce que vous souhaitez développer. Allez, on commence. Dans la zone suivante, vous trouverez des sphères d'entraînement. Ça vous apprendra à manier le sabre laser. Ok ? Ok ! Ok ! Voilà les sphères. Voilà. Beau travail, Roche. Bien joué aussi, Jadon. Votre sabre laser est un outil inestimable. Même lorsqu'il est inactif, il peut vous sortir de situations dangereuses. Mais il peut aussi s'avérer utile dans d'autres cas. Avec cet entraînement, vous apprendrez de nouveaux styles de combat. En changeant de style, vous pourrez surprendre votre adversaire et reprendre le dessus. Nous dialoguerons désormais par Comlink dans chaque zone. On y va. Ok, Jadon. Vous devez utiliser la Force pour sauter par-dessus le ravin. Ça ne devrait pas être trop dur. Si vous tombez, sautez sur le pont et réessayez. Vous devrez utiliser le pouvoir avant pour sortir de là et passer à la zone suivante. Et Jadon, ça devrait vous occuper jusqu'à la fin de mon cours. Qu'est-ce qui vous a pris tant de temps, Jadon? Rien. Vraiment? Rien d'important. Pour accéder à la zone suivante, vous devez utiliser le pouvoir arrière pour tirer un levier dans la salle. Mais
mais vous ne l'atteindrez pas de vos mains. N'oubliez pas de bien examiner les lieux. Lorsque vous êtes en mission et que vous tombez sur une porte verrouillée, cherchez son garde. Il aura la clé. Les solutions aux problèmes ne sont pas toujours évidentes. Utilisez le pouvoir sensation pour trouver la sortie de la salle. Presque fini. Il vous faudra être rapide dans la prochaine zone. Utilisez le pouvoir accélération physique et mentale. Vous aurez alors plus de temps pour prendre des décisions. Alors, j'ai gagné ? Ce n'était pas une compétition. Désolé, je... Ce n'est pas à moi qu'il faut faire des excuses. C'est pas grave. Vous dites vous-même que ce n'était pas une compétition. Eh, c'était juste une blague, hein. Je pensais pas... Si ce droïde était réglé comme ceux de Luke, il aurait tué Jadon. Mais où aviez-vous la tête ? Jadon, je suis vraiment désolé, je ne pensais pas. J'essayais juste de... Oubliez ça, Roche. Jadon, vous avez le droit d'être en colère, mais croyez-moi... Il vaut mieux éviter ce genre d'émotion. Je comprends, Maître Katarn. J'accepte vos excuses, Roche. Bien, c'est réglé. Et souvenez-vous, moi, c'est Kyle. Oui, mais... Kyle. Bien sûr, Kyle. Bien. Vous êtes tous les deux prêts à mettre en pratique ce que vous avez appris. Voyons ce que cela donne. J'ai fait des recherches sur cette marque étrange retrouvée sur le vêtement qui provenait du temple. C'est le symbole de Marc Aragnos, un seigneur Sith mort il y a près de 5000 ans. 5000 ans ? Vous êtes sérieux ? Évidemment, vous êtes sérieux.
Pendant que vous faites travailler vos élèves, restez attentif à toute information concernant un groupe affilié à Radnos. Bien sûr, lui. Nous sommes très sollicités dans toute la galaxie. Et nous pensons que le meilleur moyen d'apprendre est de pratiquer. Les élèves de tout niveau peuvent donc nous aider. Mais comme vous faites partie des initiés, Kyle va vous emmener dans la plupart de ses missions pour vous instruire et assurer votre sécurité. Ça a l'air plutôt délicat, alors je vais venir avec vous. Les formes de vie les plus viles sont sur Tatooine. Restez près du vaisseau, je vais faire mon enquête. Parole, c'est le Faucon Millenium. Yann, Chewie, y a quelqu'un? Ils ont dû sortir. Les infos de Luke se vérifient. Ce sont des vaisseaux cargo indépendants. J'ai un mauvais pressentiment. Écoutez, vous restez là et gardez l'entrée du hangar d'arrimage. Empêcher quiconque d'entrer ou de sortir. Je vais à la cantine à Crète pour me renseigner. J'y ai quelques relations. Jedi? Moi? Non, pas encore. Je suis disciple de Kyle Katarn. Il parle à des gens du coin. On enquête sur un culte qui se répand un peu partout. Vous devez être Chewbacca? Que faites-vous là? Leia Organa? Waouh! Ça doit être très important. Your good job.
faut nous couvrir. Retournons au vaisseau. Pas atteindre les vaisseaux. L'endroit est verrouillé. Je désactiverai les rayons tracteurs si vous pensez pouvoir faire face à ces gardes. Vous avez vu quelque chose ? Thank you.
Ok, c'est tout pour le faucon. Maintenant, au Ravensclaw. Wow, 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 wow.
Les rayons tracteurs sont désactivés, Chewbacca. J'arrive. Chose. Ouais, ça me fait plaisir aussi, Chewie. J'imagine qu'il ne voulait pas de nous. Oh, c'est un énorme compliment venant d'un Wookiee. Alors, merci. Ces mercenaires ne sont pas donnés. Ce culte doit avoir pas mal d'argent. Ou pire, il est soutenu par les impériaux. Écoutez, on doit retrouver Luke et lui dire ce qui se passe. Vous informerez Leia à propos du culte. S'il n'avait pas été là au bon moment, j'aurais eu pas mal d'ennuis. Ouais. Chewie a l'air de dire que vous vous débrouillez bien. Je lui travaille. Kyle m'a raconté ce qui s'était passé à Mos Eisley. Heureusement que Chewie était là. Mais vous avez bien réagi quand même.
Il semble que ce culte et les impériaux soient plus proches que ce qu'on pensait. Nous avons examiné la navette accidentée, et il n'y a aucune trace de dégâts au laser ou de défauts mécaniques. C'est comme si quelque chose avait tout simplement détruit les moteurs. Thank you.